Oui, j'étais directeur de Hara pendant 26 ans à la Rebourcière Montaigu. J'ai toujours travaillé dans les chevaux. Ça monte déjà il y a loin, trentaine d'années sûrement. Premier partant qu'on a vu, un cheval qu'on a un peu sauvé de l'abattoir, oui, en quelque sorte, et qui nous a gagné une course à Château-Gontier. Première victoire, donc un souvenir assez sympathique. Notre première victoire en tant qu'éleveur, c'est une jument qui s'appelait Samansonienne, qui était en entraînement chez Guillaume Macaire en obstacle, qui a gagné 5-6 courses, qui était plutôt une bonne jument. Maintenant, nous sommes arrivés à 200 hectares, là, parce que nous avons racheté un haras juste à côté et une ferme. Donc là, en superficie, on est 200 hectares. En chevaux, on a à peu près 75 poulinières à l'année, plus tous les yearlings qui viennent se greffer pour les ventes. On tourne à 150, entre 150 et 180 chevaux à l'année. En obstacle, j'aimais bien, il monte toujours, Jacques Ricou. Je trouve que c'est un très bon jockey qui a gagné pas mal de courses pour moi. C'est pour ça que je l'aime aussi. Et puis en plat, j'adore Soumillon. Mon premier poulinage, non, je m'en souviens pas, ce serait mentir. Parce que j'en ai pouliné tellement que. À Montaigu, quand j'étais à Montaigu, on en faisait entre 80 et 100 tous les ans. Ici, on en pouline 45 à peu près par an. Auteuil. Moi, j'ai une passion pour l'obstacle, j'adore l'obstacle. J'aime bien le plat, mais ma passion, c'est vraiment les chevaux d'obstacle. En plat, en France, il y a Siouni, évidemment, incontournable Siouni, Le Havre, Houghton-Bassett, bah, tous les bons. Maintenant, il y a un bon parc étalon en France qu'on utilise de plus en plus. Non, non, je suis pas superstitieux, moi. Donc, on était au Haras, on regardait la course en direct et ça nous a fait très plaisir d'élever notre premier gagnant de groupe 1. Né élevé à l'hôtellerie pour un propriétaire qui nous est fidèle. Donc, ça fait très plaisir. J'étais pas nul, mais j'étais pas non plus un crack. Moi, j'ai une formation. Avant, c'était pas du tout les chevaux de course, c'était une formation d'ébéniste sculpteur sur bois. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. J'adore la matière du bois. Moi. Et c'est après que la passion du cheval m'est venue. Non, j'aime bien tous les sports. J'en pratique peu, mais j'en regarde beaucoup. Bah, je serai sûrement à la retraite, mais non, je continuerai toujours à. J'aime tellement aller aux courses, les chevaux. On a fait ça toute notre nuit, c'est difficile de faire autre chose après. J'aime bien la bonne nourriture, moi, les restaurants, ça j'adore. Restaurants, et puis le week-end, quand on a un week-end libre, on va aux courses. Donc, ça remonte à il y a 6 ans. On a vendu Moubtaïj, 450 000 euros, je crois, et un Danzili qu'on nous avait confié pour le présenter, qui a fait 460, je crois. On avait 3 ou 4 poulains, on a fait une très bonne moyenne. Première année, c'était bien. Chien. On a 3 chiens, des jacks. Que ça continue. La vie est belle. Que les courses continuent surtout.